The world is a dangerous place. Only the best can keep it safe. Become a Tier 1 operative. Plan, position, and execute. Do whatever it takes to neutralize the threat. Join the elite. Bring the thunder. Thunder Tier 1. Yo les marsouins, c'est Typex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte d'un nouveau jeu tactique en vue du dessus. J'ai nommé Thunder Tier One. Ce jeu est développé et édité par Krafton. Il est actuellement en cours de développement. Vous pouvez le trouver sur Steam, mais aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment. De mon côté, j'ai eu l'occasion de le découvrir pendant une phase de test et c'est un grand oui. Le jeu a un gros potentiel. Imaginez un mélange entre Door Kickers pour le côté tactique et Foxhole pour le gameplay, pour ne citer que ces deux jeux. Vous incarnez un groupe d'élite d'intervention internationale chargé de sauver le monde des organisations terroristes qui menacent la sécurité mondiale. Il est jouable en solo, coop et des modes PVP et PVE sont disponibles. De mon côté, j'ai testé la coop en PVE avec les copains. La coop se joue à 4 et nous avons eu l'occasion de découvrir deux missions. L'une où nous devions arrêter puis extraire une cible de haute valeur ennemie et l'autre où nous devions détruire des caches d'armes et sauver un otage. Donc après avoir créé notre escouade, nous nous sommes équipés en fonction de l'opération qui nous attendait. Nous avons bien sûr pris le temps de lire le briefing pour connaître nos objectifs, les informations sur le lieu de l'opération ainsi que les forces ennemies en présence. Une fois bien renseignés, nous avons préparé notre équipement et autant vous dire que la customisation de celui-ci est plutôt complète et réussie, même s'il manque de contenu, mais c'est bien normal car le jeu n'est même pas dans sa version bêta. Vous commencez donc par choisir vos armes sur lesquelles vous pouvez mettre un silencieux, un viseur, une flashlight sur presque toutes vos armes. Vous choisissez ensuite votre treillis, votre casque, votre gilet tactique, votre sac et vous pouvez même en modifier la couleur et le camo. Il est également possible de s'équiper de grenades frag, stunt, flash, smoke, de modifier le nombre de chargeurs que vous voulez prendre avec vous et même de vous équiper de matériel supplémentaire tel que clés morts, explosifs, pinces coupantes, bref, tout l'attirail d'un groupe d'intervention. Mais attention, le choix de prendre tel ou tel équipement influe sur votre mobilité, votre dextérité et votre précision, donc à vous de vous organiser et de vous équiper au mieux en fonction de votre mission. Une fois que toute l'escouade est prête, vous êtes envoyé sur le lieu de l'opération. Donc là, la petite phase de préparation avec la vue drone, on n'a que ça pour se préparer, hein. On sait qu'on démarre de là. Pour ça, il faut se souvenir de la carte, parce qu'il n'y a aucune indication. Et chacun peut contrôler le drone, du coup. Et chacun devant son drone. Donc là, le roadblock, il est là. Et comme vous pouvez le constater, un drone se trouve déjà sur place et il va être très important pour mettre en place le cheminement tactique de votre progression sur le terrain et pour évaluer les forces en présence. Maintenant que tout est prêt, je vous laisse découvrir notre première opération où notre objectif était de capturer une cible de haute valeur et l'extraire. Bon visionnage. Ah, j'ai pas mon laser du coup. Merde, c'est pas grave. Tu fermes la marche là, Ran? Ah. La lumière là, c'est beau. Et le jeu tourne bien, la carte graphique elle est que à 30%. Et je suis à fond. T'avances pas trop, de toute façon tu les verras passer, hein. Ça sert à rien de les voir avancer en face. Ils arrivent. Parfait. Il avait combien sur le drone? 3? Ouais, ils ont des casques. 4. Ils sont... Et 2, n'oublie pas qu'ils sont 2 à l'entrée, hein. Au niveau du drone, il y avait 2 gars, au niveau du camion. Faut qu'on les neutralise en même temps. Le suivi de gauche. Je suis de droite. 3, 2, 1, feu. Oh putain, oh, il s'est baissé. Il s'est baissé. Il s'est baissé direct. Ran, on va les transporter, tu nous couvres vite fait. Ouais, affirme. Non, je voulais pas ça, moi je voulais le prendre. Vite, 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 vite. Il y a des mecs qui arrivent. Oh, putain. Ah. Ça, c'était le mec qui était dans le bâtiment en train de patrouiller solo là. Faut pas laisser là, ils vont passer, ils vont les voir, je pense. Après, je sais pas si c'est une influence, ouais, je pense, parce que quand les mecs ils ont pris du bois ou quoi. Bien joué, Ran. Attends, je vais le check pour voir s'il n'y a pas des Intel. Non, il y a des munes. Et des munes. Est-ce que je. Attention, ça arrive, cache-toi, 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 cache-toi. Ça arrive, ça arrive. J'en ai pris une. Mets-toi à couvert, mets-toi à couvert. J'en ai eu deux. Les 4 sont tombés, c'est bon. En fait, il passe pas la porte, il saute le muret. Il a dit quoi le... J'ai pas fait gaffe du coup, moi j'étais sur les... Mais là, et je me soigne. Ok. Est-ce qu'ils ont lancé... Non, ils ont pas prévenu les autres, je pense pas. Je sais pas. J'ai pas suivi l'information là, à la radio là. Checker le corps, les corps, hein. Moi j'en ai fait... c'est mon deuxième. J'en ai fait un. On sait jamais s'il y a des trucs à récupérer apparemment. SKS. Non, t'as rien de marqué en Intel. Non. Normalement, il n'y a personne à l'intérieur. Enfin... Ouais, on est censé avoir tout nettoyé. Ouais, le mec il fait plus la patrouille quoi, déjà. Ouais, ça marquait qu'on était compromis. Ah, ça qu'il avait écrit. C'est comme dit Xeno apparemment. Ouais, tiens, regarde, ils sont arrivés en courant là. Ah ouais, ouais. Ok. Il faut pas qu'on se fasse choper ici, sinon là, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure et le mec il a été exfiltré. J'en ai vu un passer, mais du coup j'ai pas vu les autres. Attention, il y a un sac poubelle qui a été jeté sur la gauche là. Ok, ils sont en train de faire leur patrouille. Merde. Putain. Ouais, il va être exfiltré, le technical il arrive. Faut vite qu'on aille au véhicule alors. Ran, Ran, viens. Il faut vite rentrer pour les empêcher de sortir. Vas-y, défonce la porte là. Oh putain, ils sont arrivés en véhicule. Ok, je vais direct. Je vais directement à la sortie pour voir si j'ai un visu sur le... Oh putain, j'ai été touché hein. Ok, ils sont en train de l'extraire là, Merde. Non, arrête. Oh putain. Vas-y, je peux te couvrir encore. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, ok. Je suis au sol. Ok. En fait, ça y est, c'est déjà compromis. Je sais pas, j'ai pas... Il faut que je me soigne. Hein. Merde. Oh mais énorme ce qu'il a fait. Il a tiré avec son pompe, puis s'est planqué derrière le mur. Ça arrive l'escalier. Oh putain. Je sais pas s'il est encore dans le bâtiment le... Il faut que je recharge. Ok. Il me restait encore deux... Ah putain. Typex, statue raid et Wolf en jaune. Attention, je me décale Wolf. Ça à droite... Oh putain, je suis mort. Il est arrivé. J'ai pas eu le temps, j'étais blessé. C'est chaud en réalisme, mais c'est mieux. Là ça monte. Oh, non mais énorme. Pas mal. Il y en a un deuxième. Attention. Il monte. Je recharge. Tombé. Attends, t'as pris une balle. Ouais, je vais me soigner. Je recharge. Cette réaction de grimper là, c'est phénoménal. Ouais, c'est mort, il se barre. On aura pas le temps d'y aller. Eh, on peut peut-être intercepter le véhicule, Wolf. T'as vu le monde qu'il y a au barrage? Bon, j'ai des grenades, mais... Si on bute le pilote, tu penses qu'on peut le stopper ou pas? Oh putain. Il va passer par là. Un bruit de véhicule. Là je me mets en auto. En full auto même. De toute façon les grenades, vous en avez là? C'est bon. Il est où le véhicule? On l'a eu. Ah non, fallait l'arrêter, je suis con. On l'a buté, il est là. C'est pas le bon qu'on a eu. Ah, on a pas eu le pilote. Ah, ça doit être faisable. Hein. Ça doit être faisable. Bon bah... Il a sur lui. Non, rien spécial. Non, rien. Extraction. Hein. Ok, go. C'est le moment. C'est tout ce qui manquait à Door Kickers. Prêt? Vas-y. Switch. Laser on. Pax. Tombé. Tombé. Il y en a un à gauche, Typex. Ta gauche. Vas-y, checker l'escalier là. Ben, on est 4, il y en a moins. Il y en a un qui arrive là. Il y en a un, il est au-dessus. Ça va descendre peut-être, ouais. Ok, faut l'escorter là. Et rentrer, Darkran est rentré, hein. Je peux pas couvrir et l'escalier et la porte. Hein. On récupère Dark, c'est bon? Ouais, je l'ai. Ok, on ressort par l'entrée où on est venu ou pas? Non, on va ressortir par où? Par okay. L'autre entrée là. Et sinon, si on ressort de l'autre côté, on va se taper le... Ok, 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 ok. Quoi... Attention l'escalier! Attention! Je crois qu'il y a un mec encore là-haut là. Ah, les sons. Ouais. Je sais pas si on peut passer derrière. Hein. Je sais pas du tout, mais faut qu'on prenne une décision rapidement là parce que... en fait, il y a un grillage et une porte. Le grillage, on peut passer. Le grillage, je peux le couper normalement. Moi. Bon, je sais ce qu'il faut. Tenter. Dark, reste avec. Vas-y. Ran, tu fermes. Que... Oups. Avance, Dark, reste pas dans l'axe de tir si jamais ça arrive de l'escalier. Allez, Ran, shoot, shoot, shoot. Allez, gogo, là, sortez parce que les mecs ils viennent juste de repartir. Typex, il faut que tu ouvres le grillage là, vite. Lequel? Ok. Là, ils arrivent. Hein. Okay, je suis en partir, faut vraiment dégager, se mettre dans le coin. Il faut que je sache comment on fait. Du coup, ou alors il faut que je la mette à la place du medikit par exemple. Ouais, ou à la place. Ah, c'est ça, exact. Par contre, j'ai perdu. Ah non, c'est bon, j'ai mon medikit, c'est bon, c'est ça. À la place du medikit, et là, je peux couper. Nice. D'accord. Super. Ah, il y a trop de bonnes idées là. On va falloir que tu le passes en dessous par contre. Hein. J'espère qu'il passe lui. J'ai pas réussi à passer. Je suis bien compliqué. Faut que tu fasses un deuxième trou, Typex. Il est trop gros pour passer Dark. Attends. T'arrives à passer ou pas? Oui. Nice. Ah bah attends, j'en fais un deuxième alors. T'as le portail là à côté. Ouais mais non, j'ai envie de découper. C'est le con. Oh putain, laisse-moi m'utiliser ma passe-couille. Reste Dark à ce milieu. Ouais. Ils sont 3. T'en as un qui garde l'entrée et une patrouille de 2. Ok, je vais prendre appui sur le mur en bas là. Enfin, du coup, en bas, ouais, ça veut rien dire pour vous. Il n'y a pas d'azimut in-game là. Non. 146. Attention, ça arrive, ça arrive. Tombé, 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 tombé. T'as dit quoi, Wolf? 146 quoi? Oui, sur la souris. C'est marqué sud-est quand tu vises. Ah, même exact. Pas, t'as pas besoin. Oui, exact, oui, exact. Ouais, tu vois. Ah oui, d'accord. Okay. Ah, je me demandais ce que c'était que ce machin là. Attention. Ils nous ont pas vu. Restez... Non, mettez, collez-vous Dark, colle-toi dans les buissons là. Et ils nous ont grillé, ils nous ont grillé. Je suppose que si je fais péter le mur, ça va un peu s'entendre. Je pense aussi. J'avoue que si on pouvait passer discrètement, là, ce serait pas mal. Même si, quoi qu'il arrive, on va devoir défendre. Ah, on aurait dû prendre des clés morts. Personne n'a des clés morts. Ah non, j'ai pas pensé. On le bute lui là-haut là, Ils sont deux là. Ah ouais ouais. Attends. Pleine tête. Oh, oh ils m'ont eu, ah, je suis blessé. D'accord, en fait, faut relever le mec et après tu peux te soigner. Ah, du coup, faut que je reprenne dans mon sac le medikit. C'est une bonne idée, ouais, si je prenais le medikit. Donc, il est utilisable qu'une fois. Comme un seul bandage. Oh, tu sais jamais où t'en es niveau. Santé? Niveau 1. Non, niveau bah, santé, si, ouais, si, déjà. Niveau 1, ton chargeur il est en orange en bas. Quand tu tires, elle réduit la barre orange. Ok, il faut défendre. Bah, j'ai tiré, je suis pas sûr qu'elle est réduite. Hein. Ah, moi, j'ai 3 coups en moins. Je sais pas où faut le mettre du coup. On va essayer de défendre cette zone, hein. Le véhicule il arrive ici. Est-ce que tu penses qu'il faut que ça nous arrive dessus? Je vais essayer de me mettre à couvert et de couvrir. Ah, il y a des mecs qui arrivent par là. Vous êtes sérieux, si on se met à couvert, on peut tout couvrir hein, à partir du coin là. Le truc c'est que si on se prend une grenade, on est tous on va tous tomber hein. Faites gaffe, ça peut venir aussi côté côté nord-ouest hein. Ran, prends notre angle. Sur ton arme, t'as une barre orange qui est au-dessus de ton arme, là, de la barre de... Quand tu tires, ça diminue. Oui, oui, oui. Moi, pour l'instant, je suis côté est, là, je couvre l'est, d'accord? Putain ! C'est plus facile qu'on est 4. Ah, c'est sûr. Putain. Ah je suis tombé. J'ai sorti le PA mais non non je suis... Qui est derrière moi là pour me couper? Une seconde. Allez vas-y recule. Le véhicule arrive. Faites gaffe, il défonce la barrière. Si t'es en face ça va être sympa ça. Allez. Get in. Get in. Excellent. Bon, à 14 minutes, je pense qu'on peut faire mieux. Bah, tu t'approches, c'est marqué F, passager. Bah, ah oui, F, passager. Eh ben, propre. Franchement, très bonne surprise. Bon les marsouins, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Une autre vidéo de Thunder Tier One arrivera prochainement. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.